Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la Ditchies TV. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo du festival de la BD que j'ai fait samedi. Voici avec quoi je suis revenu de cette journée. Alors, le programme de cette journée, en fait, j'étais juste pour l'expo qu'il y avait de Marvel. Une très belle expo dont vous aurez un montage juste après. Et après, je suis allé en même temps sur le stand de Félix et Bigito. Donc, le rubis de clocher. BD que je suis en train de vous lire pour Geek Is, qui est en préparation. Et voici l'autographe que m'ont fait ces deux personnes. Donc, Félix et Bigotti. Donc on peut voir déjà que c'est une très belle BD. J'ai lu une petite moitié de BD. Et donc cette BD est vraiment très 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 sympa. Alors, bon, maintenant qu'on est passé à ça, j'ai acheté ces deux BD d'Herocorp. Pour ceux qui ne connaissent pas HeroCorp, allez voir la série si vous aimez Kaamelott. Bon, pareil, hein, si vous connaissez pas Kaamelott, allez voir. C'est du très grand astier. Donc je me suis acheté ça pour ça en fait. Pour le match d'impro qui allait avoir bah, justement samedi 31 janvier au théâtre d'Angoulême. Donc on avait ce carton là pour voter. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la Ditchies TV. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo du festival de la BD que j'ai fait samedi. Voici avec quoi je suis revenu de cette journée. Alors, le programme de cette journée, en fait, j'étais juste pour l'expo qu'il y avait de Marvel. Une très belle expo dont vous aurez un montage juste après. Et après, je suis allé en même temps sur le stand de Félix et Bigito. Donc, le rubis de clocher. BD que je suis en train de vous lire pour Geek Is, qui est en préparation. Et voici l'autographe que m'ont fait ces deux personnes. Donc, Félix et Bigotti. Donc on peut voir déjà que c'est une très belle BD. J'ai lu une petite moitié de BD. Et donc cette BD est vraiment très 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 sympa. Alors, bon, maintenant qu'on est passé à ça, j'ai acheté ces deux BD d'Herocorp. Pour ceux qui ne connaissent pas HeroCorp, allez voir la série si vous aimez Kaamelott. Bon, pareil, hein, si vous connaissez pas Kaamelott, allez voir. C'est du très grand astier. Donc je me suis acheté ça pour ça en fait. Pour le match d'impro qui allait avoir bah, justement samedi 31 janvier au théâtre d'Angoulême. Donc on avait ce carton là pour voter. Et